Voilà. Bon, bonsoir à tous et tous. Donc ceci est en direct du Modanium à Mons, ce qui est un peu symbolique évidemment, puisque nous avons derrière ma tête la sphère mondiale qui est en train de tourner et que nous sommes dans un endroit avec plein de fiches papier, alors que nous allons parler le numérique. Bien, donc le sujet de cette soirée, c'est le traçage numérique. Est-ce que c'est une solution? Et aussi un sous-titre, c'est aussi le titre du tableau de Magritte que vous voyez là, la tentation masquée. Bien, j'ai un autre titre qui est stratégie démocratique de traçage du coronavirus. Au sujet de géolocalisation, de backtracking, de contact tracking, et dernier sous-titre, vers un déconfinement sain. Alors, j'ai une petite note liminaire, c'est juste des précautions oratoires, comme on dit. Donc, je veux que ceci soit le plus objectif possible, ce ne sera pas complet, ce ne sera pas trop technique, je l'espère. Et je ne défends ici, en tout cas, aucune position, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'opinion propre, mais je ne la défendrai pas ici. Je me suis renseigné aux meilleures sources, souvent en recoupant, donc pas une seule, et toutes les erreurs sont les miennes. Et d'autre part, je vous remercie si vous avez des commentaires et corrections à faire. Alors, dernier point, après ça on commence vraiment, si vous voulez des informations plus techniques, eh bien figurez-vous qu'un bon point de départ est la notice de Wikipédia, mais elle est en anglais, Digital Contact Tracing. Voilà. Alors, normalement, je suis, pour cette conférence, l'organisateur académique, et c'est à celui-ci de présenter l'orateur. Et je suis aussi l'orateur, ce qui fait que je vais me présenter moi-même de façon extrêmement courte et un petit peu expliquer et justifier en quoi j'ai une certaine compétence dans le traçage. Eh bien, il y a à peu près un an, un peu moins, il y a eu un groupe de travail qui a été initié dans la classe technologie et société de l'Académie royale de Belgique par le professeur de l'ULB Hugues Bersigny et auquel j'ai participé avec bien d'autres depuis le début. Et ça m'a permis effectivement de mettre en évidence tous les problèmes d'ingénierie qu'il y avait par le traçage numérique, et ça m'a permis aussi, grâce aux autres, de comprendre les problèmes juridiques, éthiques, etc. Et je remercie donc tous mes collègues, confrères et consoeurs. Donc. D'autre part, et là j'ai encore appris beaucoup plus, j'étais animateur avec d'autres d'une liste de discussions en France sur les applications numériques, en relation bien sûr avec l'application française qui s'appelait finalement Stop Covid et puis qui a été commodifiée. Et là, j'ai participé pendant plusieurs mois à toute la discussion, accompagnement de la mise en œuvre de l'application française, et ça n'a pas tourné tout à fait, même pas beaucoup, comme on a voulu, puisque ça a été très centralisé, ce qui n'était pas du tout le but. Et donc, nous étions là, pratiquement tous les chercheurs et associés de la recherche française en sécurité et cryptographie, et la liste comportait 1400 personnes, avec des débats fort animés, de temps en temps un petit peu excessifs. Enfin, on a appris beaucoup de choses et de toutes parts. D'autre part, finalement, je connais à peu près tout le monde dans le domaine du traçage numérique, ça veut donc dire aussi les projets européens, les personnes belges impliquées, et beaucoup viennent effectivement de la recherche en sécurité informatique, en cryptologie,
en vue de protéger au mieux la vie privée. J'aurai plusieurs fois l'occasion d'en parler, ne fût-ce que pour montrer qu'il n'y a pas que des sociétés, mais il y a aussi des personnes. Bon, alors maintenant on commence vraiment. Je remonte un petit peu dans l'histoire des épidémies, des pandémies, et nous sommes donc en juillet 1866. Mais figurez-vous que c'était la dernière épidémie de choléra en Belgique. Elle fera 43 000 morts pour une population de moins de 5 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'il y a eu environ une personne sur 1000 qui en est mort. Heureusement, aujourd'hui, avec le Covid, on n'en est pas encore là, surtout relatif à la population. Mais donc, pour la Belgique, c'était très grave. Notamment parce que à la même époque, en France, il y avait aussi cette épidémie, bien plein de pays l'avaient, le nombre de morts était le même, quasi le même. Ça veut donc dire une proportion beaucoup plus faible qu'en Belgique. Et un médecin en France, Adrien Proust, à la lutte contre les maladies contagieuses. Alors, il voit les choses en grand et correctement, donc il imagine la création d'un droit sanitaire international et ce qu'il appelle un Office international d'hygiène publique, ce qui est l'ancêtre de l'OMS. Alors, l'épidémie est vaincue et il fait sa vie une lutte contre les maladies contagieuses, un combat en fait. Contrôler le commerce international et ceci, etc. Il y a rien d'autre chose pour limiter les contagions et cela à l'échelle de la croissance. Et comme vous voyez, il n'a pas été assez écouté aujourd'hui. Et dernier point, oui, c'est le père de Marcel Proust, l'auteur de « À la recherche du temps perdu », qui est toujours d'actualité. Bon, en fait, partons réellement du point de départ, ce qu'on appelle les chaînes d'infection. Donc, en fait, il y a un certain nombre de points d'où ça vient, où sont les germes. Alors, ça dépend ici, c'est le schéma que j'ai, c'est un schéma qui vient du Québec. C'est un schéma général, mais qui s'applique évidemment au cas qui nous occupe. Ça peut venir des personnes, des animaux, sauvages ou domestiques. Éventuellement, c'est moins le cas cette fois-ci, des aliments. Par contre, la saleté, oui, et éventuellement l'eau. Comme vous le savez, les eaux usées servent éventuellement à détecter d'où se trouve le plus le Covid. Heureusement, il semble bien que ce ne soit pas un vecteur de transmission. Enfin, alors, par où ça peut rentrer, venir par la bouche, bien sûr, vous le savez, par les yeux éventuellement, etc. Comment ça se propage? Les contacts et les gouttelettes. Et là, il y a plein de choses qui ont été dites à ce sujet-là. Puis, évidemment, il y a la voie d'entrée, il y a quels sont les hôtes les plus réceptifs, et puis ça recommence. Donc, c'est vraiment un cycle, une chaîne, comme on dit. Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est de casser cette chaîne. Donc, on a une chaîne de transmission, voilà une vue un petit peu plus schématique, mais qui reprend les mêmes éléments. Alors, bon... Réfléchissons un peu, et là, je cite une phrase du procès qui date de 1933 de Franz Kafka. On ne peut pas briser de chaîne quand il n'y en a pas de visible. Donc le point ici, c'est comment rendre les chaînes qui nous démolissent effectivement plein de choses pour l'instant visibles. Et donc, un des points, c'est le traçage. Alors, une petite question d'abord, pourquoi tout d'un coup on a dû inventer au début de l'année passée des méthodes
évidemment un peu bricolé, et aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure les dates, on est seulement, on fait exactement un an de traçage numérique, et encore, et encore. Donc la question est, étions-nous prêts? Est-ce qu'on a prévu de la prévention, protection et même de la résilience? Il y a eu pas mal d'avertissements de la possibilité de nouvelles pandémies. Ça n'a pas été fort écouté. Et les outils. Alors là, je me suis un peu renseigné. Et il y a eu un projet Horizon 2020 qui s'appelait DAPANDEM, comme pandémie évidemment, et qui a couru de 2015-2017. Ils ont, donc ça regroupe plusieurs groupes de recherche européens, donc, dont la Belgique, et le responsable de ce côté-là, c'était le professeur Gallin. Et donc c'était pour effectivement améliorer les techniques et les protections pour la sécurité en cas de grande pandémie. Et effectivement, ils avaient imaginé, mais moins bien évidemment que ce qu'on a fait maintenant, d'avoir des méthodes de traçage plus ou moins automatiques. Ce projet, semble-t-il, a eu peu de réactions, il était pourtant financé par tous les Européens, et donc le résultat, c'est que nous n'étions pas prêts. Alors, revenons maintenant à l'histoire un petit peu. Donc, on est en mars 2020, il y a pile poil un an. En Belgique, le confinement a été annoncé le 17 mars. C'est le même jour qu'en France, pas la même heure. Donc, il y a juste un an. À Singapour, la recherche de moyens qui avait déjà commencé et l'application Trace Educator est lancée le 20 mars. Donc, quand on s'est confiné, personne ne savait que cette application existait, mais évidemment, il y avait déjà eu pas mal de moyens à Singapour. Alors, il semble bien qu'il y avait un suivi. Là, je n'ai pas su retrouver toutes les traces, puisque le 23 mars est déjà annoncé une application en France, mais pas tout à fait correcte. Et la CNIL française se pose déjà la question de l'utilisation, puisque c'était de la géolocalisation par GPS. Et ça se date du 26 mars. Et ce jour-là, je reçois de la CNIL un email me demandant ce que je pense de ce système. Et c'est vraiment le début pour moi de tout le travail que j'ai fait depuis lors. Le sujet est certainement dans l'air et plusieurs projets démarrent début avril. Donc à l'EPFL, donc l'université à Lausanne, il y a un projet PEPPT, qui est un projet européen volontaire. Alors le mot européen ici ne signifie pas que c'est payé par la Commission européenne, ça signifie très fort qu'un professeur, vous avez bien entendu, un professeur de Lausanne a mis ses sous personnels pour démarrer le projet et que le projet finalement a été financé totalement par un groupe suisse et c'est tout. Tout le reste, c'est du travail bénévole et volontaire de gens qui se connaissaient bien sûr avant pour d'autres projets européens. Alors, il y a un grand débat. Est-ce qu'on va faire sa centralisation ou décentraliser? Et donc, le projet, je ne vais pas donner les détails ici, se sépare en plusieurs morceaux. La France et l'Allemagne vont d'un côté, et puis la France et l'Allemagne se séparent. Et tous les autres projets, tous les autres pays restent dans un projet qui, lui, est décentralisé, qui s'appelle DP3T. On en reparlera plus tard. La France ne suit pas, et apparemment c'est vraiment une décision politique, parce que vous verrez après, les chercheurs en France, à l'INRIA, ont eu de très dures discussions, et il y a eu pas mal de discussions aussi
entre les chercheurs français et suisses. Singapour décide que son projet devienne open source le 9 avril. Je ne sais pas si vous voyez à quelle cadence ça va. Donc, le moyen de traçage à Singapour commence le 20 mars. Le 9 avril, c'est open source. Et le 10 avril, donc le lendemain, Google et Apple annoncent un projet commun de notification de contact. Donc, ce qui est appelé GA, Google Apple Exposure Notification. Alors, le projet commun Google Apple demande vraiment d'être décrit un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait un chercheur de Google qui travaillait à Lausanne. Il avait fait son doctorat là. Et donc, il était en contact avec les chercheurs du projet européen, donc ce qui a conduit finalement au DP3T. D'autre part, il était en contact aussi avec des Français qui travaillaient chez Apple et une autre personne chez Google à New York, un chercheur bien connu, Moti Young, et eux trois, donc de deux sociétés et plus d'autres encore, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, ils ont imaginé qu'ils allaient faire ça comme un projet interne, volontaire et sans intention. Bien entendu, ce n'est pas aussi simple. Ils ont dû demander la permission de leurs autorités. Ça a été fait et ils ont essayé le plus possible que ce soit très rigoureux, dans le sens de protection de la vie privée, etc., open source, etc. Mais ça, ils n'ont pas réussi totalement, bien sûr, mais c'est quand même un bel effort. Pourquoi ont-ils dû faire cela? Parce que très vite, notamment à Singapour, on a vu qu'avec les appareils Apple, donc ceux qui marchent sous système iOS, eh bien, il y avait des problèmes, vu les paramètres de l'operating system, du programme qui permettait de faire fonctionner les applications, eh bien, pour que ça marche bien, il fallait que l'application soit active. Ce qui veut dire concrètement que si elle est passive, donc elle ne tourne pas, elle écoute simplement, eh bien, si deux appareils Apple discutaient justement pas entre eux, mais chacun écoutait, ben, l'un attend l'autre et c'est un blocage total. Bon, ben, ce problème est résolu grâce à l'interface proposée par Google et Apple, et les pays qui n'utilisent pas, eh ben, ils ont ce problème encore, notamment la France, par exemple. Ça a permis aussi de détecter un autre problème qui n'est toujours pas résolu, sauf pour les applications de type traçage, venant du système Android de Google. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous démarrez, pour simplifier, paraît-il, quand vous démarrez une application qui utilise uniquement Bluetooth, eh bien, figurez-vous que vous démarrez aussi le GPS. Alors, il n'est pas utilisé, enfin, parole de scout, mais en fait, ça démarre. Alors, Google a promis que pour les prochaines versions d'Android, ce problème sera résolu et que le couplage entre Bluetooth et le GPS ne serait plus fait. Mais en pratique, aujourd'hui, en Belgique, en France, partout, le GPS fonctionne sans être utilisé et c'est vraiment très gênant pour ce genre de projet. Bon, alors, rapidement, un petit peu le point en Belgique, à l'époque. Les deux prochains transparents m'ont été gentiment transmis par Bart Prenel, donc, qui est un des deux responsables techniques du traçage. Bon, donc, le travail en Belgique
technique basée sur les applications donc, et basée sur DP3T, et c'est le choix de Bartronnet, accepté par les autres, bien sûr, mais enfin, c'est lui le technicien, a commencé mi-mai. Donc, vous voyez, il y a eu quand même un petit délai. Il y a eu des avis négatifs de l'autorité de protection et du Conseil d'État, fin mai. Et finalement, il y a eu un décret le 29 juin et qui fait démarrer les choses. Pendant un mois, c'est les termes de Barthes, hein, il y a eu une lutte politique intense. Il faut savoir que le nord du pays voulait absolument l'application du traçage et que le sud du pays ne voulait pas. Et que donc il a fallu prendre son bâton de pèlerin, pas moi, hein, les gens concernés, pour aller expliquer aux multiples cabinets ministériels de quoi il s'agissait. Finalement, la décision est prise le 26 juin, et regardez la vitesse à laquelle ça va, le 6 juillet, un appel pour l'application de traçage en Belgique est envoyé à 20 sociétés. Vous avez le lien là. Le 13 juillet, les réponses sont reçues. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la course. En fait, en ce qui concerne l'application elle-même, parce qu'il y avait trois appels, il n'y a que 4 sociétés qui ont répondu. Il y en a 2 qui ont été éliminées parce qu'elles n'étaient pas correctement rempli, le formulaire n'était pas rempli correctement ou ça ne convenait pas du tout. Donc, il restait en lice que 2. La première société, c'était Proximus SAP. Alors, SAP, ce n'est pas rien que seulement une société qui fait des programmes de comptabilité très, très intenses, mais c'est eux qui avaient aussi implémenté l'application en Allemagne de DP3T. Donc, pour le traçage numérique. Donc, ils avaient une certaine expérience, mais ils étaient 20 fois plus chers. Et donc, ça a été l'autre société qui a été prise, donc DevSES et XOR. Et avec un partenaire, je dirais, pour faire le review, pour faire l'audit, Enviso, qui est donc une très grande et très bonne société pour cela. Donc, le 21 juillet, vous voyez, on travaille même le jour de congé, les compagnies sont, les sociétés sont sélectionnées, et début août, il y a une publication, enfin, une consultation publique, on publie toutes les descriptions, etc., et il y a eu un certain nombre de commentaires, et malheureusement, c'est un petit peu disparu de la circulation, même si sans doute ça existe encore. Bon, voilà. Donc, on a ainsi plein d'applications qui se font un peu partout dans le monde. En France, par exemple, l'application qui s'appelait Stop Covid est remplacée par tous anti-Covid, mais c'est plutôt relativement superficiel, l'intérieur était le même. Il faut bien voir que la Belgique n'est pas la première du tout, ou la France, mais il y a des pays qui ont simplement mis ça en œuvre tout récemment. Il y a beaucoup de pays qui ont eu plein de problèmes, ou qui ont commencé et puis qui ont arrêté, ou même pire que ça, qui ont commencé et puis qui ont mis à la poubelle l'application et qui l'ont remplacé par une autre. C'est le cas en Angleterre, par exemple. Et il y a eu plein de problèmes aux États-Unis. Vous savez, bon, les États-Unis, c'est vraiment des États, il y en a 50. Et donc, l'État fédéral s'en est très peu mêlé. Et par contre, au Canada, là, c'est l'inverse. Un certain nombre d'applications
qui avaient été mises au point et qui étaient pas mal ont été interdites au niveau fédéral. Et donc, il y a eu plein de discussions qui ont introduit plein de délais. Bon, alors, il y a plein de choses à raconter et je n'ai pas le temps de tout dire. Vous voyez, le temps passe. Donc ici, j'ai une table des matières que je ne vais pas vous lire et je vais commencer réellement par l'histoire un petit peu de Singapour. Bon, Singapour, donc comme je l'ai dit, a introduit ça au mois de mars et ils appellent ça Trace Together. Alors, il faut voir qui a conçu cela. Donc, c'est une demande du gouvernement de Singapour à une société associée au gouvernement. C'est eux qui font les applications, etc. Et donc, il y a quelqu'un qui se lance là-dedans. Il s'appelle Jason Bay. C'est un ingénieur. Il a fait ses études à Stanford. Et c'est lui qui est le directeur senior au niveau des services digitaux pour le gouvernement, à Singapour, bien sûr. Alors, il tient, c'est assez étonnant, un bloc ouvert à partir des services du gouvernement et où chacun peut s'exprimer, y compris lui. En parallèle, puisque c'est pratiquement la même date, voilà l'application française, donc CoronApp, qui utilise le GPS et qui a fait beaucoup hurler les gens en France et sans doute dans d'autres pays. Bon, donc c'est un peu pas facile de tout raconter, puisque si on prend un peu l'ordre temporel, bien, il y a plein de choses qui sont en parallèle, bien sûr. Alors, un peu plus tard, voici la page LinkedIn du responsable de Singapour. Donc, il démarre des projets, ils font ça très bien, ils font des tests, ils déblayent le terrain aussi, etc. Peut-être bien que sur le plan de la protection de la vie privée, même s'ils y ont fort pensé, ça ne correspondrait peut-être pas à nos critères européens, mais ça nous a permis d'avoir une référence. Alors, le 18 avril, l'année passée, donc voilà dans le bloc gouvernemental, il déclare que le système automatique de traçage, ce n'est pas la panacée. Alors qu'à l'époque en Europe, peut-être qu'on ne s'en souvient pas, plein de gens disaient « on va faire que du traçage numérique, le traçage manuel ne sert à rien ». Et lui dit très tôt, et je l'ai fort diffusé à l'époque, qu'effectivement, c'est un complément et que ça dépend aussi comment c'est introduit, intégré, etc. Alors, vous voyez quelque chose d'assez étonnant. Donc, c'est sur le bloc du gouvernement de Singapour. Vous voyez juste à côté les deux logos de Apple et Google. Donc, ça montre quoi? Et c'est vrai, hein, c'est pas simplement une coïncidence qu'il y avait déjà des discussions entre Apple et Google et nos amis de Singapour et qu'il a fallu très longtemps pour que ça aboutisse un petit peu. Et donc, ils ont lancé Singapour, l'application, sans l'aide du tout, sans leur aide. Voilà, je ne vais pas lire le texte, je l'ai mis ici simplement pour être complet. Et donc, ça voulait dire ceci. De grâce, ne croyez pas qu'avec ça vous allez résoudre tout. Donc ça a été dit très tôt. Et il faut encore faire d'autres choses, même dans l'automatisme. Eux, effectivement, comme au Japon, beaucoup moins en Europe, ils ont à cette époque-là, en tout cas, ils ont s'automisé sur la détection des clusters, comme on dit, et après essayer de les isoler. Méthode approximative pour faire ça, c'est ce qu'on a employé chez nous, c'est évidemment de confiner, d'isoler, ils ont très peu utilisé cela. Bon, donc, voilà, le texte est assez long, il dit qu'il est difficile d'expliquer un système automatique à des utilisateurs qui sont craintifs.
sa dernière phrase. Bon, alors, revenons-en un petit peu au projet, comme je l'ai déjà fait un petit peu aussi, dans le monde. Donc, il y a un premier projet en Suisse européen, PEPP-PT, on en parlera un petit peu plus dans quelques minutes, qui est un projet décentralisé. Alors, ça veut dire quoi? Comme ça, on peut définir ce mot-là. Centralisé, ça veut dire qu'effectivement, il y a un centre, une base de données, normalement, qu'on fait tourner par un service lié à l'administration ou au gouvernement. C'est un choix qui est un peu plus facile que le choix complémentaire qui est décentralisé, mais qui, lui, effectivement, est beaucoup plus compatible avec nos valeurs de la protection de la vie privée et de démocratie. Donc, le projet européen sur lequel est basée la plupart des applications dans le monde, donc c'est DP3T. Alors, en parallèle, il y a un projet américain, PACT, j'en parlerai aussi un tout petit peu, qui a été démarré autour du MIT, donc à Boston. Il y a eu aussi un projet basé dans l'Institut d'intelligence artificielle à Montréal, donc l'Institut MILA. Alors là, ils ont développé des choses qui étaient relativement intéressantes, mais peut-être un peu trop sophistiquées. Le gouvernement fédéral du Canada l'a refusé. Et finalement, ils se sont sabordés complètement, alors qu'il y avait quand même des idées intéressantes. En France, le même groupe produit deux versions. Je parle des noms des systèmes, pas le nom, je dirais, commercial, en quelque sorte, au public. L'un s'appelle Robert, et le deuxième, et soyons clairs, ce nom n'a pas été choisi au hasard, c'était bien montré, l'équipe de chercheurs qui faisait ça, montrait son choix. Le deuxième s'appelait Désiré. Bon, bien sûr, ils avaient trouvé une façon d'utiliser ça comme un acronyme, mais enfin, bon, c'était bien leur désir. Robert était centralisé, Désiré était beaucoup plus décentralisé, et le gouvernement français, effectivement, a choisi Robert, et c'est toujours celui qui est en cours. Même s'il y a eu plusieurs versions, mais c'est plutôt des changements de nom que beaucoup plus que ça. Bon, alors, désolé ici pour la table, parce qu'elle est sous cette forme-là. Donc, voici la liste de tous les pays qui utilisent un système ouvert. Donc, c'est par ordre alphabétique. C'est à jour, j'ai fait ça ce matin. Donc, il y a 34 pays qui utilisent donc un système ouvert. Alors, bon, là-dedans, si vous regardez bien, on compte comme pays des morceaux d'État, l'Écosse, par exemple, ou l'Alabama, le Delaware, le Nevada, etc. C'est un peu partout dans le monde, mais c'est surtout en Europe, effectivement, où là, on utilise ce qu'on appelle des TEC, c'est-à-dire des nombres aléatoires, on verra ça un peu plus tard, qui sont diffusés de façon totalement anonyme et qu'on consulte régulièrement pour voir si, effectivement, on n'a pas rencontré quelqu'un qui était infecté. Ça ne marche évidemment qu'avec les applications ouvertes et dans une certaine mesure décentralisées. Donc, la France n'est pas dans cette liste, bien sûr, par exemple. Ni Singapour non plus. Bon, alors, en fait, on publie régulièrement, je ne vais pas expliquer ça ici, tous les jours, en Belgique et dans les autres pays, comment ça tourne. Ça veut dire le nombre de gens qui ont rencontré des gens infectés. Alors, bon, le 21...
Voilà, si vous voyez que le 21 du 10, donc c'est quand même il y a quelque temps, octobre 2020, en Belgique, eh bien, il y avait 2012 personnes ce jour-là qui avaient des rencontres. Ça ne veut pas dire que les gens sont infectés, ça veut simplement dire deux choses. Les gens ont rencontré quelqu'un qui a été déclaré infecté après, et rencontrer veut bien dire être en contact, ça veut dire à moins de 1,50 m et pendant plus de 15 minutes ou quelque chose de cette ordre de grandeur-là. Alors bon, ces chiffres sont très difficiles à interpréter parce qu'il est possible que la même personne ait rencontré plusieurs fois l'autre même personne, et ici ce sera compté plusieurs fois, évidemment comme c'est anonyme on ne s'est pas fait la différence, on ne s'est pas remonté non plus en arrière, et c'est à comparer avec le nombre d'infections qui avait été ce jour-là, qui était donc assez énorme, mais bon, c'est à pondérer puisque ça varie suivant la façon dont on collecte, si c'est le week-end ou la semaine, etc. Donc c'est un système qui fonctionne. Je vais vous montrer maintenant la fin de la table. Donc pour la Belgique, aujourd'hui la dernière valeur qui a été publiée, c'est date du 11. C'est pas tout à fait neuf évidemment. Là, vous voyez que le nombre d'infectés total n'est quand même pas négligeable, et c'est les craintes qu'on a pour l'instant. Et le nombre de personnes qui finalement sont détectées, alors c'est très compliqué. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on détecte plus de contacts éventuels avec un infecté qu'il n'y a d'infectés ce jour-là. Je n'ai pas parlé du nombre total d'infectés. Mais malheureusement, beaucoup de gens qui reçoivent le message comme quoi ils sont infectés ne vont pas se faire tester, de moins en moins semble-t-il. Aussi, on verra ça tout à l'heure peut-être, il y a plein de restrictions, on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors, les points qui ont été pris en compte, et là je fais quelques commentaires rapides, c'est effectivement le risque démocratique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on a eu des craintes, plus ou moins justifiées, on verra, que ce système de traçage allait pouvoir être utilisé pour effectivement espionner les gens, et de différentes façons. Et à ce sujet-là, déjà le mot traçage est un mot, tracing est un mot relativement mal choisi. Alors il faut bien savoir que le mot officiel à l'OMS, c'est tracing effectivement, mais que la traduction, ce n'est pas traçage, heureusement, c'est plutôt quelque chose dans la direction de détection des contacts. Et c'est aussi ainsi que Google et Apple le nomment plus ou moins. Parce qu'effectivement, si réellement on parvient à tracer, il y a un risque effectivement de tomber totalement dans l'espionnage de tout le monde et ses habitudes, etc. Et il faut bien voir, quand on voit ce que Google fait par exemple, même s'il change un petit peu pour la publicité, on peut quand même voir pas mal de problèmes qui pourraient être utilisés par exemple par les assurances, par les systèmes d'engagement, donc les ressources humaines et pour le personnel, etc. Bon, donc il y a bien sûr un risque social, et il faut obtenir un consensus. Ça veut dire que si tout le monde est contre, eh bien, on a raté, même si le système est très bon, eh bien, ça ne va pas être utilisé, ou les gens vont vite s'impatienter. Ce n'est pas évident du tout. Donc, y a, comme je l'ai dit, il y a un risque pour la démocratie aussi, et ce risque n'est pas du tout théorique. Il est arrivé à Singapour. Là, c'était plus ou moins pour la bonne cause, pour bien avertir les gens, etc. Mais ça pouvait détourner. Et il y a des gens qui étaient infectés, qui ont pu être ainsi retracés par des gens qui interceptaient les communications de smartphones à Singapour. Et donc, ils ont fait chanter des gens en disant « Ah, mais vous êtes infectés, vous ne l'avez pas dit, enfin, que sais-je ». Par contre, là où ça a été vraiment très brutal, il y a d'autres pays aussi, c'est en Chine, et on a découvert qu'en Israël,
aussi que c'était employé par les services d'espionnage pour détecter notamment d'autres problèmes qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Alors j'ai mis trois petits points. Beaucoup de bruit disent que dans d'autres pays, mais pas en Belgique, je ne crois pas, ça a été fait aussi, ben, notamment pour détecter tout ce qui concerne les problèmes d'activisme un peu trop fort. Il y a des risques éthiques. Ouais, par exemple, on risque de violer le secret médical. En fait, il faut faire il y a un conflit au départ déjà, et donc il faut faire un compromis et il faut que ça reste proportionnel. Il y a des risques informatiques. Alors, il y a eu une époque au mois d'avril-mai en Suisse et en France où on a beaucoup insisté là-dessus. On peut évidemment, et c'est vrai, comme tout système numérique, ben, il peut y avoir un piratage, il peut y avoir un détournement, comme je viens de le dire, il peut y avoir du chantage, on peut aussi saboter complètement le système, par exemple, faire déclarer qu'une usine est pleine de gens infectés alors que c'est pas vrai, ou d'autres choses du même genre. On a donné plein d'exemples à ce moment-là, le gosse qui veut pas aller à l'école et qui se fait déclarer comme étant et ayant été en contact avec un infecté alors que ce n'est pas vrai. Et en fait, tous ces risques ont été pris en compte, ils existent, mais je n'ai pas entendu tellement de rapports, je dirais, sur ce sujet-là. Et je ne parle pas que de la Belgique, il y a, en Angleterre notamment, il y a une étude très forte qui a été faite dans un pays scandinave aussi, et tous ces risques ont été relativement minimisés. Ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a bien mieux pour les pirates que de faire cela. Alors, quels sont les types d'attaques qu'on peut avoir ? Ben, on peut obliger les gens à déclarer qu'ils ont ceci ou ça. On peut faire du chantage, comme je l'ai dit. On peut faire du rejeu qui peut être utilisé. On peut faire des relais. Ça veut dire quelqu'un qui est détecté à tel endroit, ben, on le fait détecter à un autre endroit. On peut faire de la surveillance intérieure, extérieure. Et alors, il y a le cas pire qui a été très peu évoqué, c'est le gars qui, en même temps qu'il a l'application, utilise un GoPro. Ça veut dire qu'il parvient à filmer partout où il est, un GoPro avec un GPS, bien sûr. Et donc, il parvient ainsi à reconstituer tout, et même les gens qu'il ne connaît pas, de découvrir qui pourrait être bien infecté. Comme vous voyez, c'est quand même des applications qui sont relativement dures à mettre en œuvre et qui n'en valent pas beaucoup la chandelle. Alors maintenant, quelles sont les méthodes de traçage ? Donc, c'est celles qui permettent d'avertir ceux qui ont été en contact ou qui auraient été en contact avec des personnes infectées et le faire de façon anonyme. Alors, en fait, il faut bien voir que c'est un problème ancien, mais dans un contexte différent. Donc, Apple avait résolu ça déjà depuis quelques années, et Google aussi d'ailleurs, dans le cas de vol d'ordinateur portable. C'est-à-dire que, en fait, quand un ordinateur est volé, et bien, dans certains contextes, on peut démarrer le système Bluetooth, on peut ainsi... l'ordinateur en question, via ce canal, peut dire « au secours, j'ai été volé », et d'autres ordinateurs qui ont activé le même genre d'application peuvent éventuellement tracer l'ordinateur et dire ah « ben, il est passé tout près de chez moi, donc vraisemblablement, il n'est pas loin de là, etc. » Ça a même été breveté par Google, par des chercheurs que je connais très bien, et c'est utilisé aujourd'hui, comme je viens de le dire, pour le vol d'ordinateur. Et ça marche relativement bien. Je n'ai pas dit qu'on a pu détecter ainsi tous les vols, mais ça a quand même été utile. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'il y avait quand même certaines expériences dans les méthodes de traçage. Mais les méthodes sont un peu différentes, puisque malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, on a besoin de la distance entre les personnes et de la durée, alors que dans le cas des ordinateurs volés, c'était simplement
on a été frôlé par tel ordinateur et c'est tout. Donc on devait ajouter des éléments qui effectivement n'étaient pas du tout simples. La durée, ça va, hein, mais la distance est beaucoup plus compliquée. Alors, pour mesurer la distance, au départ, comme je l'ai dit, on a imaginé d'employer le GPS qui se trouve sur beaucoup de smartphones, bien sûr. Alors, il faut bien voir que le GPS original, donc l'américain, ne marche pas pour cela, puisque sa précision est environ, quand tout marche bien, environ de 6 mètres. Or, ici, on veut mesurer avec une certaine précision plus ou moins 1,50 m. On n'est plus dans 1,50 m, on est à moins de 1,50 m. Le GPS américain ne permet pas ça. Les GPS plus récents, Galileo notamment, le permettent, et pas mal de smartphones aujourd'hui ont les programmes qui permettent effectivement de détecter le signal et faire les calculs de Galileo ou des Chinois ou des Russes, et ainsi de suite. Bien, mais évidemment, si vous avez... Alors, l'idée au départ était assez simple. Je donne mes coordonnées GPS avec une grande précision, l'autre me donne ses coordonnées GPS avec précision, donc on échange, et puis on calcule la distance. Bon, avec un peu de trigonométrie, c'est pas trop difficile, mais effectivement, là, on sait exactement où on est, et c'est vraiment de l'espionnage total. En fait, à l'époque, on n'avait pas réfléchi qu'on n'a pas besoin des coordonnées complètes. Il suffit d'avoir les derniers chiffres, puisqu'on veut une précision de quelques dizaines de centimètres, 1,50 m. C'est la distance que l'on veut, ce n'est pas l'endroit. Donc, on n'est pas obligé de donner les degrés, ni même les minutes, mais les secondes et plus suffisent. Ça permettrait peut-être dans le futur d'imaginer d'autres protocoles que ceux qu'on a fait actuellement. Et on pourrait même imaginer de calculer cette distance de façon secrète, sans qu'aucune des deux valeurs ne soit rendue publique à l'autre détenteur. On peut aussi employer les réseaux Wi-Fi. Il y a pas mal de bonnes cartes pour ça, mais ce n'est pas tout à fait évident. Il existe d'autres systèmes aussi qui sont utilisés pour localiser les avions, les bateaux et bien d'autres choses. Il n'y a pas que le GPS. Donc, en fait, on s'est dit, il faut surtout mesurer la distance. Et donc, la question est, avons-nous besoin de géolocalisation? Ben, la réponse est non. Mais nous avons besoin de la distance et de la durée. Et ça dépend du mode de propagation. Alors, Bluetooth, jusqu'à pas très longtemps, consommait beaucoup de puissance, d'énergie, et donc ça ne convenait pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le BLE, qui est donc un système à basse énergie, et ça a été, dans un premier temps, donc le meilleur choix. Et comme je l'ai dit, il y a des contraintes à cause d'Apple et de Google. Est-ce qu'on va faire mieux que ça? Eh bien, il y a deux approches possibles. Il y en a une qui est haut de gamme et une autre qui est, je dirais, beaucoup plus simple. Donc, c'est ce qu'on appelle le haut de gamme, le UWB. Donc, on lance des ondes et ça arrive sur les smartphones haut de gamme. Et en fait, ce qu'on mesure, c'est le temps que prennent nos ondes, donc c'est la vitesse de la lumière, entre les deux smartphones. Oui, on est capable de faire ça aujourd'hui. Les smartphones Apple et d'autres, Huawei, etc., haut de gamme, ont déjà ça, mais évidemment, c'est très peu répandu par rapport à tout le reste. Mais alors, il y a autre chose qui est utilisée, mais pas vraiment en Europe, ce sont les ultrasons. Figurez-vous que le micro de votre smartphone est sensible aux ultrasons, peut-être même un peu trop, et que le haut-parleur, ou ce qui tient lieu de transmission du son, eh bien, il peut émettre des ultrasons aussi, et même à très haute fréquence. Et donc, l'idée serait à ce moment-là d'utiliser ça. On verra ça un peu plus tard. Alors, toujours à la même époque, donc je parle d'avril ou mai, il y a des chercheurs, des hackers qui ont réfléchi et
les hackers du Chaos Club Computer de, au départ de Hambourg, donc allemand, a dit, voilà nos critères, on en a 10 pour que cela soit respectueux de la vie privée et en toute sécurité informatique. Je n'ai pas le temps, c'est dans les transparents, mais je n'ai pas le temps. Ce sont, beaucoup de ces critères sont des choses de bon sens et pour ceux qui connaissent un peu la protection de la vie privée ou l'informatique et la sécurité. Et ils ont déclaré que l'application allemande, qui a donc servi de modèle pour la Belgique, était bon et qu'elle avait reçu, à part quelques remarques, l'approbation suivant ces critères. Donc ça, ce n'est pas un groupe officiel, c'est un groupe qui est plutôt très critique par rapport à tout ce que les gouvernements font. Et malgré tout, ils ont déclaré que ça leur convenait si c'était fait honnêtement. Donc voilà leurs critères. Alors maintenant, on va un peu de regarder, parce que je n'en ai pas encore beaucoup parlé, comment fonctionne une appli de traçage, application numérique. Alors, tout le monde parle avec plein de P. Alors moi, j'avais imaginé un protocole 7P. Donc, c'était le Parable of Protocol Petit Pousset, Pierre Perrault. En allemand et au nord, c'est Hansel et Gretel, ça marche moins bien, évidemment. Et donc, c'est simplement le Petit Pousset qui emploie d'abord des petits cailloux, puis il n'en a plus, il emploie du pain, et le pain, évidemment, peut marquer des choses, et puis disparaît parce que les oiseaux le mangent. C'est un peu l'image qu'on voudrait avoir, c'est qu'effectivement, les petits cailloux que l'on laisse, qu'on utilise ne laissent pas de traces et donc sont comme du pain. Je ne suis pas le seul à avoir imaginé ça. Il y a un Hollandais, un professeur hollandais en informatique qui avait imaginé à peu près la même chose. Alors, il y a un autre concept, et ne lisez pas du tout le transparent, c'est ce qu'on appelle le secret parfait. Donc, en cryptographie, donc, il y a un autre terme pour ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité sémantique. C'est quoi ? Mais ça veut dire que tous les nombres que vous utilisez sont des nombres aléatoires et ils le sont parfaitement. C'est-à-dire qu'un nombre aléatoire est vraiment aléatoire et ne permet en aucune façon, en aucun moment, d'attacher une personne ni de récupérer un chemin, donc de faire du traçage. Et on va voir comment on peut utiliser ça. Alors l'idée est la suivante du protocole Petit Pousset. Vous avez une carte de visite. Alors bon, spécialement évidemment pour détecter les contacts avec des gens infectés éventuellement. Donc ce qui se passe, vous avez une carte comme ceci. Alors éventuellement, ce serait une carte de visite un peu plus standard, sur lequel il y aurait marqué coronavirus, par exemple, et puis sur lequel il y aurait votre numéro de smartphone. Bon, ça, c'est très naïf, évidemment, puisque si vous donnez ce numéro de téléphone, eh bien, on sait associer votre nom. Vous téléphonez, d'ailleurs, soyons clairs. Et donc, ça n'est pas très bon. Comment faire mieux? Donc, pas bon. Eh bien, on va imaginer une carte de visite sur laquelle il y a un numéro. Ce numéro est unique sur la carte de visite, donc il est utilisé nulle part ailleurs. Et vous avez deux copies de cette carte de visite, une pour vous et une pour la personne que vous rencontrez. Si vous rencontrez une deuxième personne, vous utilisez une nouvelle paire, vous utilisez la même, une carte avec un autre numéro et avec la copie authentique associée. Alors, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. On va imaginer que vous avez, vous, une carte de visite qu'on va bien sûr faire numérique dans votre smartphone et que d'autre part, vous donnez une enveloppe où il y a une copie avec le même numéro, mais que cette enveloppe... celui qui la reçoit n'est pas capable de l'ouvrir, ni donc de savoir même le nombre qui est dedans. Je n'ai pas dit que tous les systèmes marchaient comme ça, mais ça, ce serait le système idéal. Donc, vous rencontrez quelqu'un, vous gardez trace
du fait que vous l'avez rencontré en simplement en mettant la carte de visite dans un bon tas. Vous lui donnez l'autre carte de visite dans une enveloppe fermée et scellée avec le même numéro. Bon, alors, vous donnez dans quel cas ? Ben, vous le donnez si vous avez été trop longtemps, 15 minutes par exemple, à trop près, à 1m50, et s'il n'y a pas de glace, s'il n'y a pas de mur, et si tous les deux vous aviez des bons masques, ben, vous ne la donnez pas à ce moment-là. Voilà, donc, quels pourraient être les critères ? Ben, voilà les critères qui sont aujourd'hui utilisés, c'est que si vous parlez dans ces contextes-là, ben, qu'une des deux, celui qui parle dans le cas présent, est infecté, et ben l'autre a 90% de risque d'être infecté. Si vous qui écoutez, vous avez un masque, ce n'est plus que 30%. Si l'autre a un masque ce n'est plus que, et qui est infecté, ce n'est plus que 5%. Si tous les deux ont un masque, mais sont un peu trop près, bien sûr, ce n'est plus qu'un 1,5%. Et si, dans des conditions normales, si tous les deux sont masqués avec des bons masques et à la bonne distance, eh bien, on est pratiquement risque zéro. En supposant, bien sûr, que vous employez des bons masques et que vous les avez bien mis. Donc, voilà. Alors, en fait, sur votre, vous avez donc cet échange de cartes de visite. Et vous avez trois tas. Le premier tas, c'est le tas de référence, c'est-à-dire c'est les cartes de visite que vous avez distribuées et dont vous avez gardé trace. Et en plus, vous la notez le jour où vous la donnez. Et en fait, ça c'est donc dans le deuxième tas où et le troisième tas, c'est ceux que vous recevez. Donc, vous avez trois tas. Vous avez la liste de toutes vos cartes de visite. Et puis, il y en a un certain nombre qui sont utilisés ou pas, avec la date. Et puis, il y a un deuxième tas où vous avez effectivement ce qui a été utilisé. Et puis, il y a celle que vous avez reçue. Donc, concrètement, dans le premier tas, quand vous l'utilisez sur votre smartphone, dans votre portefeuille, vous mettez la date. La copie conforme qui est dans une enveloppe, vous la donnez à la personne que vous rencontrez. Ça, c'est une première action. Et l'autre personne va vous donner une enveloppe du même type et va effectivement donner... vous allez la ranger et vous allez ajouter le jour. Donc, vous avez trois tas comme ça qui évoluent avec vos contacts, les numéros utilisés avec le jour si on les sait utiliser, et le jour à lequel vous les avez donnés et celle que vous avez reçue fermée. Bon, alors maintenant, si vous avez été détecté comme infecté, ben, il est temps d'avertir les gens que vous avez... vous avez rencontré et qui vous avait donné une carte de visite. Donc, vous avez une pile de cartes de visite reçues et valides, et ça va être ouvert avec un... Et seulement dans ce cas-là, ça veut dire si vous avez été infecté, avec un cutter magique pour papier. Donc, vous pourrez imaginer que ce soit plutôt une boîte et un ouvre-boîte que simplement un coupe-papier. Et maintenant, on peut imaginer d'autres... Soit c'est vous qui ouvrez toutes les enveloppes, ouvrez toutes les enveloppes parce qu'on vous a averti qu'effectivement vous étiez infecté, ou bien si ce n'est pas vous, vous allez dans une boîte aux lettres spéciales, anonyme, qui après avoir contrôlé que tout est d'accord... va ouvrir les enveloppes. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette version-là qu'on utilise. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec tous les contenus de ces enveloppes ? Donc, il n'y a que des numéros et une date. Il n'y a rien d'au-dessus, on ne sait rien de plus. Eh bien, on va les afficher. Oui, donc, on va mettre ça sur un système d'affichage. Alors, il y a deux possibilités. C'est le système d'affichage classique, comme vous voyez là.
Le problème, c'est qu'on va pouvoir en enlever, on va pouvoir en mettre des faux, éventuellement changer l'ordre, la date, etc. Donc, on a besoin d'un système un peu plus sophistiqué, comme le sont les affichages publics. Ça veut dire derrière une vitre blindée et avec une serrure. Eh bien, c'est ça qu'on va faire. Donc, vous voyez, le jeu est simplement ceci. Vous recevez une enveloppe fermée avec un numéro à l'intérieur. Ce numéro est unique. La partie qu'il a, celui qui l'a donné a gardé une copie du numéro, mais rien d'autre. Et au moment où vous êtes déclaré infecté, on ouvre toutes les enveloppes et on affiche. Ça signifie quoi ? Eh bien, que si vous avez un numéro sur votre pile de numéros reçus qui correspond à ce qui est affiché, eh bien, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui était infecté. C'est rien d'autre. Et comme je l'ai dit, en pratique, ce n'est peut-être pas aussi simple à faire dans le domaine numérique, mais voilà un système qui est extraordinairement simple à expliquer, me semble-t-il, et qui est extrêmement robuste et qui a toutes les qualités pour protéger la vie privée. Alors bon, ça ne veut pas dire que tout est parfait, on peut encore imaginer fausses déclarations, mais dans la façon dont j'ai expliqué ça, on imagine bien qu'il n'y a pas de moyen de copie, il n'y a pas moyen de faire de relais, etc. Non, en pratique, en numérique, ce n'est pas nécessairement aussi simple. Donc, comment réaliser une carte électronique, une carte visite électronique de cette façon-là? Comment réaliser le tableau d'affichage? Et puis, en pratique, si on fait ça, on a plein de problèmes imprévus. Et puis, il y a quand même des questions complémentaires, centralisation ou non, totalement distribuée. Voilà. Alors, en fait, en pratique, aujourd'hui, si vous faites faire ça sur le plan numérique, eh bien, vous installez une application. Donc, au lieu d'avoir des cartes de visite, vous avez un générateur numérique de cartes de visite qui est initialisé d'une certaine façon, je ne vais pas l'expliquer, et qui envoie à d'autres et qui reçoit d'autres, ce qu'on appelle donc des identifiants aléatoires. Le mot « identifiant » est un peu mauvais, c'est pas moi qui l'ai inventé, puisque en fait, la seule chose qui l'identifie, c'est le fait que vous avez eu un contact avec une personne que vous ne connaissez pas et vous ne savez même pas à quel moment en pratique. Donc, ça n'est pas vraiment identifiant, c'est un numéro de contact en quelque sorte. Et ce numéro est absolument aléatoire, donc il n'est pas du tout lié à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Il y a quand même encore d'autres problèmes. C'est que, par exemple, il y a des gens qui pourraient essayer d'intercepter. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe des détecteurs de Bluetooth, parce que ce serait dangereux. Il y en a certains, plus ou moins bien intentionnés, qui voudraient peut-être vérifier si quelqu'un utilise l'application en disant « Ah, si vous ne l'utilisez pas, je ne reste pas près de vous. » et ainsi de suite. On peut aussi craindre des usages commerciaux, ça a été fait dans certains pays, pas du tout en Belgique, et on pourrait même imaginer la localisation en utilisant par triangulation plusieurs détecteurs. Alors ces détecteurs, eh bien, il est facile d'en trouver, ça ne coûte pas très cher. Voici quelques exemples, je ne vais pas vous en donner plus. Donc c'est facile à acheter. Et donc, c'est un problème auquel il faut songer si on a affaire à des gens mal intentionnés. Comme je l'ai dit, on n'en a pas beaucoup détecté jusqu'à présent. On peut même faire ça avec un simple porte-clés qu'on détourne. Et il y a même des articles qui vous expliquent ça très bien, avec des points de détail, comment détecter dans une pièce, etc. Cela permet de dire aussi qu'il y a d'autres applications possibles que employer Bluetooth, ou en tout cas employer le Bluetooth sur le smartphone. On pourrait imaginer ce qu'on appelle des bracelets numériques. C'est utilisé dans le port d'Anvers, par exemple, et dans quelques sociétés. C'est vendu par des sociétés belges, c'est vendu un peu partout. Et en quelque sorte,
Ça ne dépend pas à ce moment-là de Google ou d'Apple, ça ne dépend pas de votre smartphone. Et donc, on peut éventuellement beaucoup mieux calibrer ça pour mesurer les distances. Mais évidemment, ça ne peut se faire dans l'état actuel des choses que dans des contextes restreints, un campus, une société ou un endroit bien précis comme le port d'Anvers. Et ça pourrait même être compatible avec les applications smartphone. Voilà. Je vais passer tout ce qui est cryptographie parce que je vois que le temps passe aussi. Et donc, on va revenir à d'autres critères. C'est, par exemple, est-ce que les programmes qu'on utilise sont open source? Alors, ça s'est révélé très utile parce que, par exemple, en France, ils ont publié le code source. Et là, dans un premier temps, on a détecté des choses très bizarres. Et puis, on a détecté aussi que certains paramètres n'étaient pas utilisés, ou bien on a détecté que les paramètres étaient modifiés. Par exemple, j'ai parlé d'un mètre 50 de 15 minutes, mais aujourd'hui, c'est un mètre et 10 minutes. Donc, on a diminué les temps, les critères pour éventuellement détecter plus personne. En Belgique, je ne sais pas. Alors, tout n'est pas publié parce que Apple, Google n'a pas tout publié, mais ça permet quand même d'auditer, donc de regarder ce qui se passe, comme je viens de le dire, et d'en discuter publiquement et de vérifier si tout est bien conforme. Et on découvre, surtout au lancement de l'application, que ce n'est pas toujours le cas. Il faut aussi bien tenir compte, il ne faut pas croire que ces systèmes sont parfaits, de l'impact des erreurs de proximité. Par exemple, on peut avoir des erreurs de localisation, on connaît des cas où des gens sont dans deux pièces différentes, mais les ondes Bluetooth passent à travers les murs ou bien traversent même le plafond. Et donc, ça c'est une erreur de localisation, bien sûr. On peut avoir des faux positifs, des faux négatifs, et il faut à tout prix tout minimiser, ce qui n'est pas simple. Il faut faire beaucoup de tests, et le système n'est pas fait pour ça. Donc, voilà, donc, on a ainsi un système qui fonctionne normalement, mais qui n'est pas pour ça nécessairement très facile à utiliser. On a vu que quand un médecin détectait quelqu'un d'infecté, il recevait l'avis au moment où, évidemment, le malade n'était plus dans son cabinet. Donc, il devait soit le téléphoner, soit envoyer un SMS, etc. Et ça n'a pas toujours été simple. Il y a des gens qui n'ont jamais rien reçu. Il y a eu des erreurs et aussi... pendant tout un temps, mais ça a été résolu, en Belgique en tout cas, la transmission de 17 chiffres ne se faisait pas de façon évidente du tout, surtout que, par téléphone, surtout qu'il n'y avait pas moyen de corriger, donc si vous faisiez une erreur, il fallait recommencer. Tout ça est corrigé maintenant. 17 chiffres, c'est beaucoup. C'est un choix au niveau belge, dans d'autres pays c'est moins, et c'est le choix qui est le plus compatible donc, avec la sécurité. Donc ce n'est pas un choix compatible avec l'aisance d'utilisation, mais c'est un choix dirigé par la sécurité. Alors, il faut bien voir aussi que le Bluetooth peut être utilisé dans deux contextes. Avec un smartphone, il y a soit ce qu'on appelle une balise, donc en anglais beacon. Ça veut dire que le smartphone émet comme un phare régulièrement, toutes les 4 minutes, enfin, il y a répétition en code, un nombre aléatoire, un code secret. Et à ce moment-là, on peut imaginer que celui qui détecte l'autre smartphone dit aussi « Coucou, je suis là ». Et donc, à ce moment-là, peuvent bavarder et échanger. Mais ça, c'est une façon de faire. On peut aussi imaginer, donc ça, c'est le deuxième cas que je viens d'écrire là, on peut aussi imaginer simplement que le smartphone
clignote en quelque sorte, l'autre le voit, et celui qui clignote ne sait même pas du tout qu'il a été détecté par l'autre, puisqu'il n'y a pas de transmission entre les deux. Donc il est bien clair que la transmission, je dirais, clignotante, est beaucoup plus aisée à utiliser si on veut protéger la vie privée, puisque le smartphone émetteur de base ne sait même pas du tout qu'il a été reçu, et encore moins, bien sûr, par qui et comment et où. L'échange permet de faire des choses plus simples, dans certains sens, mais plus compliquées aussi, parce qu'il faut que ce soit un échange sécurisé, et tous les smartphones n'ont pas la puissance pour faire cela, surtout quand on n'a pas Bluetooth, on a des limitations de longueur, etc. Donc, malheureusement, on va bien avec toutes ces remarques que ce système a été malgré tout bricolé dans le bon sens du terme et avec plein de contraintes dans lesquelles qu'il a fallu contourner. Bon, comme j'ai dit, Bluetooth ne permet pas de mesurer les distances, n'est pas prévu plutôt pour mesurer les distances, mais on pourrait comment dire que ça c'est suffisant, on n'a pas besoin d'une précision énorme, mais il faut bien voir aussi que les non-smartphones, donc les GSM classiques, genre Nokia standard, ils n'ont pas le Bluetooth, ils ne sont pas chers, et donc vous n'avez pas. Donc on estime par exemple qu'en Belgique, sur les 11 millions d'habitants, il n'y a que 7 millions environ de personnes qui peuvent utiliser les applications, et en fait, en pratique, on a même pu voir que ce n'était pas autant, parce que plein de gens n'avaient pas mis à jour leur smartphone comme on pouvait l'espérer, et ce n'est que de nouveau tout récemment qu'on a pu résoudre ces problèmes. Alors, ça je passe, parce que je vois que le temps passe aussi, comme j'ai dit. Bon, il est clair que l'on peut espionner tout ça, et malgré tout, quelle est l'expertise que l'on a? Parce qu'il y a plein de tests qui ont été faits, j'en ai parlé. Alors, il se fait que, dans le Benelux, disons, il y a un grand expert, il s'appelle Christian Bachmann, il travaille pour IMEC, mais IMEC Hollande, donc il est relié à une société belge. Il a fait, en son temps, un article dans Le Monde informatique, la partie informatique, que c'était une solution acceptable. Ils ont fait plein de tests, et alors ils ont même découvert que si, par exemple, on était dans un contexte où ce n'était pas deux smartphones qui étaient utilisés, mais trois ou quatre en même temps, on pouvait améliorer même le calcul de la distance en employant différentes techniques qui ne sont pas utilisées. Donc, il y a encore un réservoir de compétences et d'idées qui pourraient être utilisées dans le futur pour améliorer. Bon, un exemple de ceci, c'est le cas où on est dans un métro ou dans un train, où effectivement, c'est plus que deux personnes qui éventuellement sont proches l'une de l'autre. Voilà l'article, je ne vous le montre pas. Alors, en fait, quel est le futur de ces applications? Sans doute une meilleure décentralisation encore. La décentralisation actuelle, dans beaucoup de cas, n'est pas excellente. Je ne parle pas spécialement de la Belgique, mais qui n'est pas excellente, qui n'est pas parfaite en tout cas, mais dans d'autres pays, parce que c'est accolé à des bases de données qui existent déjà et qui n'ont pas nécessairement été prévues pour cela. Donc, on est obligé d'un petit peu forcer les choses. Donc, il faudra sans doute, dans un futur très proche, repenser à tout cela. On pourra aussi imaginer un anonymat renforcé, parce que si on se méfie d'éventuellement d'interception, d'espionnage, ou même je ne l'ai pas montré, si on se méfie des fournisseurs de transmission de data, puisque ce sont des données qu'on transmet. Gacom, Proximus, BS, etc., c'est ça que ça veut dire. Donc là, si on se met à espionner, on va pouvoir éventuellement casser l'anonymat. Donc il faudrait pouvoir le renforcer.
Alors là, on a de très bonnes expériences de réseaux anonymes. Un exemple, c'est Tor. Et malheureusement, c'est un peu compliqué avec les technologies Bluetooth pour les raisons que j'ai dites, pas beaucoup de transmission de données, calcul très compliqué. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, il y a ce qui n'a pas été fait non plus, c'est ce qu'on appelle la détection en arrière, c'est-à-dire des gens qui se rencontrent, mais peut-être bien que celui qui est infecté a infecté quelqu'un, qui a rencontré quelqu'un après, et là, on ne sait pas. On n'a pas de transmission. Donc, quelqu'un qui rencontre un infecté, oui, OK, si tous les deux ont l'application. Par contre, si celui qui a rencontré un infecté est parvenu à infecter quelqu'un d'autre, eh bien là, dans le système actuel, c'est très compliqué à détecter. Alors, il y a un autre point que je n'ai pas dit, c'est le moment, c'est qu'en fait, quelle est la... en théorie, le rendement d'une telle application. Alors, supposons que 10% des personnes l'utilisent. Bon, ça veut dire qu'une personne sur 10 l'utilise, ça veut dire bien clairement que si je l'utilise, une personne sur 10 que je rencontre l'utilise aussi. Donc, je n'ai qu'une chance sur 10 de détecter quelqu'un qui éventuellement plus tard sera détecté lui aussi comme étant infecté. Si on voit ça sur l'ensemble, 10%, eh bien, il n'y aura seulement que 1%, c'est 10% au carré, 1% des contacts, j'ai bien dit 1 sur 100 donc, hein, 1%, qui pourront être utilement détectés. Donc on voit bien... ceci est théorique. Hein. Ça suppose que tout le monde rencontre de la même façon, que c'est uniforme, etc. Donc, ça veut dire clairement qu'on va très peu détecter et que donc on doit arriver à avoir 50%, par exemple, de personnes qui l'utilisent, ce qui ne fait qu'il faut quand même être clair à ce moment-là que 25% des cas qui vont être détectés. C'est ce qu'on appelle la loi en X carré. Donc, si maintenant 1% des gens l'utilisent, ça veut dire que seulement une rencontre sur 10 000 sera détectée correctement. Donc, vous voyez que c'est problématique. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'on peut espérer que ceux qui bougent beaucoup l'utilisent, rencontrent beaucoup de gens, donc ce n'est pas uniforme. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut pousser les gens à utiliser l'application quand ils rencontrent beaucoup de gens, quand ils bougent beaucoup, quand ils sont dans des endroits où on ne respecte pas toujours la durée ou la distance, etc. Et ces endroits sont bien connus, évidemment. C'est les centres commerciaux, c'est les transports en commun, c'est là où on travaille, et c'est les magasins éventuellement. Et c'est bien là qu'il faut absolument renforcer, et à ce moment-là, si 50% des gens qui sont dans ce contexte-là l'utilisent, ça devient très utile, même si les promeneurs isolés ne l'utilisent pas. Le futur, c'est aussi la détection des obstacles. Détecter aussi si la fenêtre est, si on est aéré ou pas, etc. Et donc là, comme je l'ai dit, l'utilisation des ultrasons va devenir sans doute assez importante et critique. On a aussi des problèmes d'audit. Examiner le code source n'est pas suffisant, c'est utile, c'est nécessaire, mais ça ne permet pas de détecter tous les problèmes, ou en tout cas, ça doit se faire à ce moment-là avec d'énormes moyens. Donc, il va falloir réfléchir aussi, et là, il y a des scientifiques pour ça, pour avoir des méthodes de production de codes qui sont plus facilement auditables, même par des personnes moins compétentes et par des outils faciles d'accès. On pourra aussi imaginer d'avoir éventuellement, dans certains cas, du mode interactif, parce que le problème aujourd'hui, c'est que la mise à jour, donc aller consulter
Le tableau d'affichage ne se fait qu'une fois par jour. Or, l'application numérique est vraiment utile quand on peut répondre très vite. Donc, ça veut dire que si on détecte quelqu'un, on doit pouvoir l'avertir, disons, très vite. Alors, c'est un peu incompatible, évidemment, avec les problèmes de vie privée, les problèmes de sécurité. Et là, il y a une réflexion à avoir, quel est le meilleur compromis et éventuellement avec des nouvelles idées. Donc, c'est ce qu'on appellerait donc une mise à jour sécurisée des contacts qui est plus fréquente. Problème de l'internationalisation. L'internationalisation était prévue au départ par DP3T, mais n'avait pas été implémentée partout. Donc, maintenant, on a une base de données commune qui est localisée à Luxembourg. Ça permet pour les gens qui voyagent pour des raisons diverses et variées ou bien pour ceux qui sont près des frontières de pouvoir aussi interroger. Là aussi, il y a une très grande amélioration qui pourrait se faire. Jusqu'à présent, on n'a pas mis en relation, pas beaucoup en tout cas, ce genre de technique, donc le traçage numérique, avec les modèles d'infection. Aujourd'hui, les modèles d'infection sont des modèles plutôt utilisés à compartiment. Ce ne sont pas les seuls et ce ne sont pas les seuls bons. J'ai lu ce matin un article qui faisait un peu le point là-dessus, un article qui vient du MIT, qui a été publié ce matin d'ailleurs aussi. Il y a d'autres techniques de modèles d'infection. Il y a ce qu'on appelle la percolation. Il y a aussi la théorie des graphes, des méthodes de déconfinement par justement en cassant les chaînes. Et là, on devrait peut-être réfléchir comment on pourrait mettre ça plus en adéquation, peut-être employer d'autres techniques. Alors, j'espérais vraiment aujourd'hui, vu que cette conférence, je l'ai proposée il y a déjà très longtemps, au mois de juillet-août, qu'aujourd'hui, plus qu'à mi-mars, j'aurais pu faire un bilan. Ce bilan n'est pas possible à faire pour l'instant, comme vous pouvez le comprendre. Il y a un bilan qui a été fait en Angleterre très récemment, évidemment avec un décalage, parce qu'il faut quand même collationner les données, les vérifier, écrire l'article, et publier, etc. Et c'est un article qui a été fait par des universitaires de Cambridge, Oxford et d'autres, et qui sont indépendants totalement des créateurs de l'application et de tout financement qui pourrait donner lieu à des mauvaises pensées. Et ils ont un bilan pour l'Angleterre, avec la nouvelle application qu'ils ont mise en œuvre, qui est positif. Ça veut dire que c'est utile. Ils ont même pu mesurer ça. Mais non, ce n'est pas évidemment la panacée universelle. Comme ça a été dit au début, c'est certainement le contraire. C'est un outil de base, dans la trousse que l'on a, c'est pas le meilleur, mais c'est certainement un outil qu'on ne sait pas remplacer, par exemple, par le traçage manuel, loin de là. Et donc, ce qu'il faudrait peut-être dire, et je termine avec ça, c'est qu'on devrait, sur base d'expérience, encore mieux détailler, décrire et analyser, imaginer un nouveau projet. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque maintenant. J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Je ne vous suis pas à la trace, je ne sais même pas du tout où vous êtes et c'est un peu dommage. On essaiera de faire mieux une prochaine fois. Et je vous remercie pour mon écoute. Voilà. Alors, je ne sais pas, je vais regarder si j'ai reçu de l'information. Il n'y a pas de commentaire. J'ai pas de commentaire. Voilà, on va en terminer là. Donc, c'était en direct du Mundaneum. On voit pour l'instant la sphère, la, la, la,
l'Afrique et peut-être un peu de l'Europe, mais de là où je suis, je ne le vois pas. Et je vous remercie de votre écoute et bonne soirée. Au revoir.